Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul. Et ceci la première vidéo que je fais en tant que madame. Oui, je sais, vous allez dire ça change rien du tout. Je sais, ça change rien, mais je sais pas, j'avais envie de le dire et de le proclamer haut et fort que je suis madame depuis bientôt un mois. Je vais vous présenter un haul de chez Noz qui habille H&M et Cash Cash Bonobo. Voilà, j'ai acheté que dans ces magasins-là dernièrement. Si vous me suivez sur mon Insta, vous avez déjà dû voir. Comme vous avez dû comprendre, gros kiff du moment, c'est de m'inspirer de personnages Disney. Donc faire en quelque sorte des Disney Boons de un peu tous les jours. Bon, franchement, c'est difficile au bout d'un moment, les idées, tout ça, c'est très difficile. Mais ça m'éclate et je trouve que c'est un bon moment et j'aime bien justement chercher des habits genre perles rares qui fera bah, la différence sur une tenue. On va commencer par H&M et par le haut dans lequel je suis le plus déçue, c'est le problème de commander. J'ai payé 3 € donc c'est rien du tout, mais je suis super déçue. Donc c'est un haut vert kaki tout simple, vous voyez là tout simple là, mais alors il est trop court quoi, c'est limite un top crop, non je sais pas comment ça s'appelle ça, mais voilà, il est trop court, je suis trop dégoûtée. On voit mon ventre, même si j'ai perdu du poids, j'ai toujours le ventre qui est rond, voilà, parce qu'il y a la graisse quoi. Donc je suis trop déçue, je l'ai pris en taille L. Et vraiment, je trouve trop court. C'est dommage. Après, je me suis pris toujours en vert kaki. Je sais pas pourquoi. J'aime trop le vert. Mais avec le mariage et tout, le vert est toujours pas parti. J'aime toujours autant cette couleur. Une robe. Voilà, comme vous voyez là, elle est sympa. Avec... Là, elle est un peu transparente. Bon, oui, c'est un peu transparent. Là, avec des boutons. Une ceinture transparente, elle aussi. Voilà. Et après, là en bas, la petite jupe et des petits volants. Je la trouve très très mimi. Après, j'ai bien fait parce que j'ai vu c'était Divide. Et quand c'est Divide, je sais que ça taille souvent un peu petit. Donc j'avais pris le 44 pour être sûre. Parce que même là, vous voyez, avec là, les boutons et ma poitrine, j'avais peur que ça aille pas. Au final, en 44, elle va très 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 bien. Et je l'ai payé. Et je l'ai payé 7 €. Donc ouais, je me suis pas ruinée. Après, je me suis pris des gilets. J'aime beaucoup ces couleurs claires, marron clair, gris clair, voilà, donc là c'est une espèce de marron, je pourrais même pas vous dire la couleur, ouais, ils appellent ça rose ancien, ok, voilà, il est très mignon, je l'ai pris en L, je l'ai payé 6 €, avec mon boulot, ben, ça fait plus classe d'avoir une veste par-dessus, un haut, une veste, un gilet, donc là j'ai acheté un autre gilet, en taille L aussi, donc rose ancien, si ça s'appelle rose ancien. Sauf que avec la découpe, c'est assez bizarre, c'est assez large. Je m'attendais pas à une découpe pareille en fait. Sur le mannequin, j'avais pas vu que c'était comme cela. Vous voyez, voilà. Voilà. J'avais pas vu que c'était comme ça. Mais il est bien, je l'aime bien. Voilà, c'est des gilets utiles dans mon boulot actuel. Donc voilà, je l'ai payé lui aussi 6 €. Je me suis acheté un bomber, je crois que c'est l'article le plus cher qui vaut 8 €. Sauf que j'étais un peu déçue, j'avais pas vu, il est court. Bon, après, suivant ce que je mets, c'est pas gênant, mais il est court. Et je l'ai acheté en mode rose poudré. J'ai acheté dans l'optique du Disney Boom de Réponse, c'est pour ça. Le seul truc que j'aurais dessus, c'est ouais, le problème, c'est pas pour essayer, c'est qu'en commande, c'est qu'il est court et que bah, j'avais pas vu qu'il était court. Je sais même pas si c'était noté ou j'ai pas bien lu, je sais pas. Et je l'ai payé 8 €. Je l'ai pris en taille 42. Il va très bien, il se ferme nickel. Toujours dans cette optique de vieux rose. Je sais pas ce que j'ai avec cette couleur actuellement. Après, j'ai craqué sur ce short vert. Alors là, quand je l'ai vu, j'ai pensé de suite à Robin des Bois. Voilà. Ou Pascal. Voilà, des trucs comme ça. Ou Peter Pan. Voilà, à qui j'ai pensé quand j'ai vu ce short. Je le trouve trop mignon. S'il a un défaut à dire, c'est que... Vous voyez, les poches ici, bah, ça grossit, quoi. Mais bon, après, je le mets avec un haut plus long, donc c'est pas gênant. Après, on est bien dedans. Je l'ai pris en taille 44 aussi. J'ai bien fait parce que comme c'est la taille haute, moi je suis bien, je suis à l'aise dedans. Et je l'ai payé 7 €. Et je trouve qu'il est classe, il est trop beau. J'ai craqué sur ce haut. Donc c'est un vert super sympa. Donc manche, pas de manche, hein. Mais je sais pas, je le trouve super classe, super beau, hyper agréable à porter, super fluide. Je suis trop trop fan. Je l'ai payé 3 €. Pourquoi s'en priver? Franchement, pourquoi? Et toujours dans ma folie du vert, je me suis pris ces petites ballerines classe. En taille 40. Je suis de 39-40 actuellement, donc c'est un peu compliqué, mais vu que je les avais pas essayé, ben j'ai préféré prendre une taille un poil plus grande. Au final, j'ai bien fait parce qu'elle me sert un petit peu. Mais bon, pour aller bosser, ça va être parfait, ça fera classe. Même si peut-être il faudrait une autre paire de chaussures au cas où j'ai mal au pied. Mais voilà, je pense qu'elles font bien classe. Je les ai payées 6 €. Et pour terminer, ce petit haut auquel j'ai trop craqué,
Donc si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà dû le voir. Il est bleu, très clair, donc avec un ruban noir là qu'on fait le nœud devant. Et il est trop classe. Quand je l'ai vu, j'ai pensé de suite à Cendrillon. Voilà. Et voilà, il est trop beau, il est trop classe. Ok, il est un petit coup peu court, mais ça me gêne pas là. Il est un peu froissé, c'est normal parce qu'il sort de la machine à laver, parce que c'est un haut que je kiffe et que j'ai déjà porté plusieurs fois. C'est le haut pour lequel j'ai eu un vrai, vrai, vrai coup de cœur. C'est mon haut chouchou. Niveau H&M, c'est terminé. Je vais vous montrer ce que j'ai pris à Kiabi. Alors, vous allez me dire encore du rose, ouais. Je suis très pantalon coloré ces temps-ci, je kiffe les pantalons colorés. Et là, alors je l'ai pris en taille 42 à Kiabi, je l'ai payé 12 euros, voilà, ils sont stretch. Et en plus j'ai bien aimé, ça change avec les boutons. Toujours à Kiabi, je me suis acheté un petit pantalon noir tout simple, voilà, qui sont élastiques ici, en taille 42 dans lesquels je vous êtes trop bien. C'est des pantalons de Kiabi qui sont au top, qui valent 10 euros et ils ont donc 4 coloris différentes. Noir effet jean un peu vieux, ainsi que bleu effet jean un peu vieux, ce noir comme ça et un bleu comme ça. Vraiment, si vous êtes en panne de pantalon, que vous voulez des pantalons au top, hein, manquez, c'est des jeggings un petit peu qui collent, vous êtes bien dans. Le seul inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas de poche. Pensez à Kiabi, 10 euros. Bon, ok, j'en ai d'autres de H&M qui sont de meilleure qualité, mais ils sont à 20 euros donc. Pourquoi acheter H&M? Voilà, ils vont être de meilleure qualité, mais au final, à Kiabi, ils en avaient deux pour le même prix. Et au prix d'un, donc au final, si l'autre il s'abîme énormément à 20 euros, ben, vous en avez deux pour abîmer autant. Je sais pas si vous avez compris mon principe, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc 10 euros à Kiabi, noir tout simple, hyper agréable, dans lequel on est trop 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 bien. Petit rose encore, vous allez me dire, c'est pas possible, elle est à fond sur le rose. Oui, avec des petits chats, tout simple, voilà, je l'ai payé 4 euros. On est trop bien dedans, ce Léo basique de chez Kiabi. Dernier article de chez Kiabi, ce petit pull. Ouais, c'est-à-dire encore dans les mêmes tons de couleurs. Marron clair, très 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 clair. Voilà, avec des manches comme elles sont à la mode actuellement. Voilà, évasées. Alors, des fois, d'habitude, j'aime pas trop ce style-là. Mais là, au final, j'ai trouvé qu'il s'allait bien. Je l'ai trouvé mignon et vraiment super doux. Il est hyper doux. On dirait qu'il limite qu'il est en gros ou je sais pas quoi. Alors que pas du tout, il est en polyester. Et on est trop 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 bien dedans. Je l'ai payé 12 euros et vous savez quoi, c'est une taille S quoi. Comme quoi, les tailles ça veut rien dire parce que je peux acheter un pantalon 44, je peux acheter dans le même magasin le même pantalon mais juste pas la même coloris. Je l'ai pris un en 44 et l'autre en 40. Voilà, vous hallucinez quoi, c'est comme ça. Donc là, je l'ai pris en S. Il est pas trop court, il est trop bien. Je suis fan de lui. Maintenant, je vais vous montrer mes petits achats à Noz. En sachant qu'à Noz, il y avait des arrivages de chez Mime. Voilà, donc c'est ça que je vais vous montrer surtout, ainsi que des foulards. Et tous les produits de chez Mime sont à moins 70%. Je ne peux pas vous dire vraiment les prix que j'ai payés, mais à environ. J'ai trouvé cette petite jupe fleurie à volant, trop mignonne. Il valait 20 euros. J'ai dû la payer 7. Voilà. Environ, hein. Donc je me suis pris ce débardeur vert kaki. Voilà, si c'est pas du rose, c'est du vert kaki, vous allez me dire. Voilà, croire que c'est mes couleurs du moment. Mais en plus, ça va bien ensemble, le vert kaki, le rose. Hein. Faut pas croire. Hein. Donc il valait 4 euros. Je l'ai payé 1 et des brouettes, même pas. Bon, je l'ai pris en XL parce qu'il y a que cette taille-là, mais c'est pas gênant. Un débardeur, ça colle de toute façon, donc c'est pas gênant. Après, je me suis pris ce débardeur-là aussi en vert mint. C'est du XL aussi parce qu'il n'y avait pas d'autre taille, mais moi ça, je m'en fous, franchement, quand ça colle, c'est pas gênant. Et il valait 6, je l'ai payé 2. Ah, très bien, parfait, avec la petite dentelle devant, tout mignon. Après, j'ai trouvé des foulards à 1,49€. J'aime bien, ça habille le cou, je trouve ça sympa, ça fait classe. Ça finit tenue de toute façon, donc je suis fan des foulards comme des colliers. Alors, j'ai trouvé celui-là à 1,49€. Quand on le voit, vous pensez à qui? Sérieusement? Bah, direct. Ah, Pocahontas, quoi. Ou Bambi, mais plus Pocahontas, voilà. Donc, j'ai pas pu me retenir à 1,49€. C'est donné, quoi. Après, je me suis pris celui-là, je crois qu'il valait 2, celui-là. 1,99. Ou 1,49, je sais plus. Je pourrais pas vous dire. Je sais que c'est pas plus de 2. Il est vert foncé gris. Et voilà, j'ai trouvé classe. Large, long. Je me suis dit, il est parfait. Il y a déjà mon odeur parce que j'ai déjà pas mal porté. Et je me suis pris celui-là aussi à 1,49€. Un peu dans les tons bleu-violet, sympa. Hyper large et long au top. Il m'a fait penser à Maléfique. Donc pour ça, je cherche activement un haut violet. Un haut violet! Tout simplement. Après, on va passer à Cache-Cache Bonobo.
Alors là, j'ai fait une affaire de ouf, mais de ouf, vraiment. Pour ces chaussures qui me font penser à Pocahontas ou Bambi, encore. Non, surtout Pocahontas. Ouais, je les trouve trop, trop mignonnes. Voilà, trop belles. J'ai eu un gros, gros coup de cœur. Donc, elles ont déjà été pas mal portées. En plus, elles étaient en taille 40, donc c'était fait pour moi. Hein. Bon, je suis 39-40, mais bon, voilà, je suis bien dedans. Je les ai payées 20 euros au lieu de 60 à Bonobo. Voilà, je les ai vues, j'ai dit, mais je peux pas repartir sans, elles sont faites pour moi, quoi, c'est waouh. Et on est trop bien dedans, elles sont agréables, elles sont en cuir. Voilà, quoi. Je suis trop fan. J'aime beaucoup les bottines, moi, donc voilà, trop trop fan. Après, je vous ai dit, je kiffe les pantalons de couleur. Donc voilà, je me suis pris un jar camel en couleur. À cache-cache, je les prends en taille 44 et je vous dis, c'est un basique, mais je m'en suis pris un autre de chez eux, je les prends en taille 40. Pff, faut pas chercher, hein. Vraiment faut pas chercher. Et que c'est le même, hein, basique aussi. Il y a au deux mois, mais voilà, c'est impressionnant les tailles comme ça varie. Je l'ai payé 19 et je cherchais cette couleur justement pour faire Bambi, pour Pocahontas, tout ça, voilà. C'est pour ça que je l'ai acheté. Après, je me suis pris ce petit haut bleu électrique. Voilà, j'ai pensé de suite à Blanche-Neige, Eugénie, à Stitch. Voilà, j'ai pensé à plein de personnages de suite quand je l'ai vu. Il était en promo, il valait 26, il était à moins 50%. Donc, je l'ai payé 13. Et j'aime trop cette couleur en fait. Et j'aime bien cet effet avec les petits volants. Voilà, je l'ai trouvé trop mignon. Trop, trop mignon. Et après, pour finir, j'ai fait du gros craquage sur des colliers. Je vous montre ça. J'en ai acheté 4. Mais on va dire que j'ai fait des affaires, voilà, vous savez les colliers j'aime beaucoup, hein. Voilà. Et là j'en ai trouvé 4 trop 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 jolies et j'ai fait des petites affaires, je vous les présenter. En fait je me suis acheté celui-là, là, ce orange, ce corail rosé, voilà je le trouve trop trop beau. J'avais pensé à un personnage, je ne sais plus à qui j'ai pensé, mais j'avais pensé à quelqu'un quand je l'ai acheté. Voilà je le trouve vraiment kawaii, trop mignon, je l'ai payé 6 euros il me semble. Après je me suis pris celui-là, je l'ai payé 5. Il me fait penser à Bambi ou à Indien, je sais pas. Moi j'ai pensé plus à Bambi, mais après hier on m'a dit qu'il faisait Indien. Ouais, je crois qu'il faisait un Bambi. Hein. Voilà. Lui c'est le plus cher. C'est Bonobo, c'est pas cache-cache. Donc Bonobo c'est toujours un petit peu plus cher. Je l'ai payé 8. Je sais pas, j'ai craqué, j'ai bien aimé. Il m'a plu. Vraiment, il m'a beaucoup plu. Et pour finir, le dernier, je l'ai payé 6. Voilà. Il est trop beau. J'ai craqué dessus aussi, il est trop sympa, je me suis dit qu'il allait faire sympa la longueur comme ça. Voilà, je sais que c'est des colliers que je vais porter et reporter et encore porter, ça c'est certain, c'est les genres de colliers que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc la vidéo est terminée, le haul est terminé, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vous fais à tous de très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.